Salut à tous, c'est Balo sur Graphissime. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle fonctionnalité surpuissante de Photoshop, c'est la sélection automatique d'un sujet. C'est parti! Alors, on va directement commencer dans Photoshop et on va prendre n'importe quel outil de sélection, celui-ci ou celui-ci. On va cliquer sur sélectionner et masquer. Ici, on va atterrir dans une nouvelle fenêtre de sélection. On va cliquer sur sélectionner un sujet. Maintenant, Photoshop va nous faire un petit calcul et il va sélectionner le sujet principal de notre photo. Voilà, alors on voit vraiment que il a vraiment bien pré-mâché le travail. La sélection est vraiment propre. Mais on voit ici par exemple qu'il a pris la sélection avec le trou. Maintenant, on va voir comment arranger ça. Alors, on va dans un premier temps prendre notre premier outil ici, appuyer sur Alt pour désélectionner et on va venir sélectionner la zone qu'on veut enlever. Voilà. Ici, on voit qu'on a un petit peu dépassé. Alors, on va passer en affichage incrustation. On va prendre le troisième outil qui est le pinceau et on va venir peindre là où on veut enlever la sélection. Pareil ici, pas hésiter à zoomer. Voilà, on va repasser en cadre sélection. Là c'est déjà pas mal. Une fois qu'on est satisfait de notre sélection, on va cliquer sur OK. Photoshop nous a directement créé un masque de sélection qu'on peut venir retravailler avec le pinceau. On prend le pinceau, on prend le blanc et on va venir peindre la sélection qu'on veut rajouter dans le masque évidemment. Alors maintenant on peut créer un petit calque, on le met en dessous, on prend le pot de peinture, on prend une petite couleur, hop, on clique. Ici on voit qu'il y a toujours un petit problème avec la sélection, donc on va cliquer sur le masque, on prend le pinceau, on zoome et on va venir peindre avec le noir pour enlever. Pareil à l'intérieur. Et voilà. Voilà le tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à bientôt. Ciao!